Souviens, Simon, la promesse qu'on s'était faite quand on s'est mariés. On s'était dit qu'on passerait toute notre vie ensemble, quoi qu'il arrive. C'était juste notre pacte. Trouver des solutions, ensemble et toujours. Je demande juste d'habiller le petit, 5 secondes, pour me donner un coup de main, c'est si grave en fait. Tu parles d'une organisation, hein. Ouvre-nous la porte, toi, au lieu de nous faire chier. T'as oublié le biberon. Là, tout part en vrille, hein. Non, moi, je vous jure, je vais pas tenir longtemps à ce rythme-là. C'est quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien. Pourquoi c'est autant la merde? Oh, tu peux dire à ton fils qu'on est pas sur un terrain de foot, aussi. Maintenant. Mon chéri, ça va? Ça, mais t'as vu comment ta gueule? Comment c'est possible de pas laisser d'espace aux gens comme ça? T'as une hostilité de ouf. C'est plus possible qu'on se parle comme ça. Je crois que j'ai peut-être une solution. Charte universelle des droits du couple. Alors, pour commencer, les insultes sont interdites. On ne mord pas son conjoint. On ne ment pas. On se dit merci. Jamais s'endormir fâché. Et moi, j'ai la règle numéro 8. Baiser ouais, beaucoup plus, rajoute le beaucoup. À la paix. Waouh. J'ai l'impression qu'on a découvert le calme. Eh ben oui, enfin, vous avez reniqué. Pendant ces 50 ans que nous allons survoler, nous verrons qu'il y a eu de nombreuses tentatives de paix. Mais à chaque fois, un élément est venu enrayer le processus. Passer toute sa vie avec la même personne, c'est une névrose. Ouais, c'est pareil. Mais n'importe quoi, vous arrêtez pas de vous bécoter depuis qu'on est arrivé. Ouais, parce qu'elle a des blocages, hein, ta sœur. Niveau cul. Pas une levrette. Rien. C'est ma sœur, hein. Ah, j'ai trop besoin de la règle numéro 2. Non, mais attends. C'est moi que tu dois embrasser. Tu vaux pas un clou. Tu feras jamais rien de valable dans ta vie. Vous en avez pas marre de vous victimiser comme ça? Ce que je te propose, c'est qu'on se dise, une fois pour toutes, vraiment ce qui nous crispe. Et on se dit tout. Ça te va ou pas? Tu veux commencer? Ok, donc j'y vais.